Mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous observez comme moi le déclin quotidien des valeurs qui font le ciment de notre société. Depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous remarquez comme moi que notre patrimoine culturel est utilisé, recyclé, dévoyé par tous les politiciens. Depuis 15 ans, il nous offre un spectacle indigne de la France. Il nous offre un avenir brisé, sans réconciliation possible. C'est la voie que nous empruntons avec les dirigeants actuellement au pouvoir. Ils nous proposent des visions de la France qui sont à des années-lumière de la réalité, de notre quotidien. Ils veulent nous faire croire que nous devons choisir entre un pays qui se comporte comme une start-up au profit des plus riches, une France qui rêve de retourner aux années 70, selon une version à la fois tronquée et fantasmée de cette époque, et qui ne s'attache pas à préparer l'avenir, le nôtre et celui de nos enfants. Un État socialiste, alors que le socialisme n'a plus aucun sens depuis que les socialistes l'ont eux-mêmes estropié. Est-ce là ce que nous voulons pour les générations futures? Est-ce là ce que nous avons retenu du patrimoine culturel dont nous sommes tous les héritiers? Tous les autres candidats se comportent comme les héritiers de Jaurès, de Gaulle, de Hugo et de tant d'autres. Mais ils veulent préempter cet héritage au service de leur propagande, non le partager. C'est l'amer constat que nous pouvons faire de ces dernières décennies en politique. Aujourd'hui, à l'occasion du Nouvel An, je suis venu vous proposer d'adhérer à un message d'espoir, à une vision optimiste et courageuse du futur que nous allons partager et de la planète que nous allons laisser à nos enfants, nos petits-enfants et leurs propres enfants. Jaurès, dont nous sommes tous les héritiers, aurait-il accepté ce que les dirigeants français ont fait de nos écoles? De Gaulle, dont nous sommes tous les héritiers, aurait-il concédé la confiscation du pouvoir par l'aréopage politique au détriment de la population? Hugo, qui fut l'un des premiers à élaborer un projet d'États-Unis d'Europe, dont nous sommes tous les héritiers, aurait-il renoncé à se battre pour une Europe respectueuse des peuples qui la composent? Nous voulons aujourd'hui vous proposer une alternative. J'ai entendu la colère qui gronde depuis plusieurs années dans notre pays. J'y prends ma part et j'en tire la seule conclusion qui s'impose. Proposer une véritable alternative. Soumettre au suffrage un programme axé sur le respect des libertés et sur le retour de la notion de responsabilité pour chacun. J'ai accepté de porter ce projet parce qu'il est nécessaire, essentiel, vital. Parce que la démocratie nous est de plus en plus confisquée, d'une part au motif que les extrêmes progressent, et d'autre part en raison des différentes crises que nous avons traversées ces dernières années. Prenons-en quelques-unes récentes en exemple. La première série de crises que nous avons connues est celle liée aux actes terroristes dont nous avons été victimes. Nous sommes depuis 2015 en état d'urgence permanent à cause de députés poltrons qui ont voté les yeux fermés, des lois scélérates permettant ainsi que des lois liberticides entrent dans le droit commun. La seconde crise, vous l'aurez deviné, est la gestion de la crise sanitaire. Avec cet événement, nous sommes depuis 2020 dans un état d'urgence encore plus pernicieux qui permet à l'exécutif de décider de manière unilatérale pour l'ensemble de la population jusque dans l'intimité de nos familles. Et ce, sans aucun contrôle parlementaire, puisque le Parlement est devenu la chose du gouvernement. Depuis plusieurs années, comme beaucoup, je passe les réveillons en me disant que, de toute façon, ça ne pourra pas être pire l'année prochaine.
J'ai décidé aujourd'hui d'être, avec vous citoyens, l'un des moteurs de notre histoire nationale, que nous allons écrire ensemble les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de dire stop. Parce qu'il est temps que nos revendications soient reçues au niveau des institutions. Parce qu'il est temps, pour nous, de reprendre le pouvoir trop longtemps confié aux apparatchiks de la politique. Il est temps, citoyennes, citoyens, de devenir les acteurs de notre futur commun, car nous en avons le pouvoir. L'actuel président de la République a réussi à tous nous leurrer. Il se présentait comme un homme nouveau, alors qu'il n'était qu'un nouveau visage qui a été formé au plus près du pouvoir installé et qui a réchauffé les vieux plats au seul profit de ses amis. Ne nous laissons plus avoir. Ce n'est pas de cette France que je veux. Ce n'est pas celle dont les livres d'histoire m'ont conté la grandeur, ni celle que j'imagine pour l'avenir. Mon projet est d'améliorer notre quotidien. Nous en avons les moyens. Nous avons la possibilité de nous fixer un cadre, un nouveau contrat social, à l'intérieur duquel chacun sera libre de décider de comment il veut vivre heureux. En effet, qui mieux que vous pourrait savoir ce qu'il vous manque, ce qu'il vous faut, ce que vous attendez du pouvoir politique pour vous aider à poursuivre vos aspirations. Quelle meilleure politique que redonner les moyens au peuple de se saisir de son avenir pour que vous redeveniez les acteurs de votre destin. L'essentiel de mon projet va dans ce sens. Je veux que la démocratie reprenne son sens originel. Je veux que le peuple soit l'ultime décideur de son futur. Je veux que chacun de vous trouve les raisons d'estimer que sa voix compte. En démocratie, toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer. Avez-vous le sentiment de pouvoir dire ce que vous voulez, de pouvoir revendiquer telle idée ou telle conviction lorsque le pouvoir actuellement en place cherche à vous dicter ce qui serait bon pour vous? C'est d'ailleurs le propre d'un autoritarisme qui ne dit pas son nom. L'année 2022 peut être celle d'un changement profond dans notre société. Ainsi, pour avancer dans cette voie, je porterai 2 projets de référendum dès le mois de juin. La révision de l'article 89 pour que la Constitution ne puisse plus être changée que par référendum et que le peuple puisse avoir l'initiative de la proposition. La révision des droits de succession, de sorte que les héritages soient exonérés d'impôts jusqu'à 650 000 euros par enfant et qu'ils soient plus fortement taxés au-dessus d'un million d'euros. Nos enfants ne doivent manquer de rien, mais ils doivent s'émanciper par le mérite de leur propre travail et non par une rente dynastique. Cette nouvelle taxe aura vocation à permettre de soutenir financièrement tous les jeunes citoyens dans leurs études, dans leur formation, dans leurs projets professionnels, jusqu'à 40 000 euros. C'est une réforme qui va à la fois dans le sens de l'égalité, mais aussi de la liberté. Ces deux valeurs ne sont pas incompatibles. Nous allons également mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires à l'émergence des sociétés coopératives agricoles, commerciales et industrielles, afin que les salariés et collaborateurs des entreprises de tous les secteurs redeviennent les acteurs de leur destin. De la même manière, les conseils d'administration des entreprises devront intégrer à minima 30% de représentants des salariés. Enfin, pour la gestion de la crise sanitaire, qui est le mieux placé pour connaître les mesures nécessaires à prendre ? Je supprimerai le Conseil de défense sanitaire, qui n'a rien à voir avec le sujet. Je créerai un comité de pilotage mixte, composé de représentants nationaux, de hauts fonctionnaires nationaux, de soignants dépourvus de conflits d'intérêts, d'indépendants et surtout de représentants des collectivités territoriales. Les élus locaux
ont été ignorés alors qu'ils sont le relais le plus fiable. La déconcentration du pouvoir est un impératif. C'est pour cela que le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons pourra être tenu tant au niveau national que local. En résumé, la question que je vous pose ce soir est fondamentale. Dans quel monde, dans quelle France, nous voulons vivre? Dans quelle France, dans quel monde, voulons-nous éduquer nos enfants? Est-ce ceux de la tutelle d'une caste politique et financière? Ou est-ce ceux de la liberté et de la responsabilité? Ceux de la fraternité entre les hommes? Le slogan de campagne que j'ai choisi est « Liberté et responsabilité ». J'y reviendrai. L'autre mot fondamental dans l'esprit de notre programme, dans ma vision de la France, est la fraternité. La fraternité entre les hommes, c'est tout simplement le plus solide ciment des sociétés. De notre société qui se fracture autour de questions sociales importantes, islam, santé, sécurité, identité, écologie. Ces questions sociales qui s'imposent à nous et dont les réponses que nous apportons diront au monde et à nous-mêmes surtout, qui nous sommes. Alors que nous avons tous, Françaises, Français, ensemble, toutes les ressources pour trouver la voie juste, la voie de l'équilibre et de la paix sociale, le pouvoir et une partie des médias jouent le jeu de la division. Et le seul résultat que nous pouvons espérer de ces débats centraux est la division de la population. Nous avons connu dans l'histoire des périodes de division, mais cette fois, le danger est singulier. Les causes de discorde sont si nombreuses aujourd'hui que nous pouvons trouver toutes les raisons de nous fâcher avec tout le monde. Ce n'est pas la société à laquelle j'aspire. La fraternité est l'idée qui guide l'ensemble de la philosophie du programme que je vous propose. En ce qui concerne la liberté, il s'agit de partager avec vous ma détermination à respecter les libertés individuelles de chacun, en commençant par vous les rendre. Pour ce qui est de la responsabilité, elle s'entend bien sûr à deux niveaux. En premier lieu, elle accompagne la restitution des libertés individuelles pour insister sur le fait que l'exercice des libertés se fait sous la responsabilité de chacun. Et donc, que tout individu doit être tenu pour responsable des abus dont il se serait rendu coupable. Mais surtout, en second lieu, elle se confond avec l'idée d'exemplarité des élus et des hauts fonctionnaires. Non seulement ils nous enlèvent nos libertés, ils nous infantilisent, ils nous anéantissent dans notre humanité, mais en plus les coupables ne sont-ils pas eux-mêmes d'une moralité tout à fait suspicieuse? Sans même parler des affaires judiciaires qui inquiètent le gouvernement, comme nous ne l'avions encore jamais connu sous la Ve République. Il s'agirait déjà par exemple de répondre aux questions suivantes, d'un point de vue éthique et moral. Comment expliquer que les plus grandes fortunes françaises se soient enrichies de manière indécente pendant la crise du Covid, alors que nous étions, nous, à savoir si nous pourrions travailler et à quel prix? Comment, quand on sait qu'une partie de la population n'arrive pas à vivre dignement de son travail et que le généreux monarque revalorise le SMIC de 0,9% quand l'inflation affichée est de 3% et que le prix des énergies monte en flèche? Comment le gouvernement peut-il formuler des remerciements aux soignants lorsque, en même temps, il ferme des lits d'hôpitaux et suspend des soignants déjà en sous-effectif? Un plan d'investissement pour nos hôpitaux sera élaboré lors de ma première année de mandat, en relation avec les personnels, en prenant modèle sur l'hôpital de Valenciennes. Plus généralement, nous mettrons en place un véritable commissariat au plan, dont la mission sera de préparer les investissements futurs sur le long terme pour assurer à notre démocratie, et non à un ami du président, longue vie et prospérité.
Les conventions citoyennes tirées au sort seront réunies régulièrement pour commenter des rapports publics, mais aussi pour élaborer des propositions spécifiques qui seront soumises à référendum. Mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens, la prochaine échéance présidentielle sera singulière, unique. Ce sera notre dernière chance de sortir ensemble de la situation actuelle par le haut, grâce à certaines valeurs que nous pouvons encore sauver. La liberté, la responsabilité, le sens de l'effort, la fraternité, le fait d'assumer nos choix pour l'avenir, la réalisation de nos projets en commun. L'année 2022 nous offre la possibilité de redevenir les acteurs de notre destin commun. J'appelle les Gaulois réfractaires au changement. Les gens pauvres, malgré les minima sociaux qui coûtent un pognon de dingue. Les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Les femmes illettrées, les insulaires de Guyane, les personnes qui ne savent pas traverser la rue et trouver un travail, les personnes en t-shirt qui n'arrivent pas à se payer un costard, les personnes en costard, les personnes qui ne trouvent rien de drôle à la phrase « le quoi ça pêche peu, il amène du comorien ». Les Français qui considèrent qu'il y a une culture française, les égoïstes et les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner, les vaccinés voulant lutter contre un virus et non contre la démocratie, les musulmans français qui ne veulent ni renoncer à la France ni à leur foi, les chrétiens qui en ont marre de l'interdiction des crèches qui font partie de nos racines, les juifs qui veulent vivre leur religion sans être inquiétés parce que juifs, les écologistes qui estiment qu'il y a plus urgent que la suppression des sapins de Noël, les habitants des quartiers populaires qui voudraient qu'on mette en avant les chefs d'entreprise qui en sont issus plutôt que la criminalité contre laquelle l'État ne lutte plus. Les paysans qui veulent une autre alternative que de savoir si la corde qu'on leur propose est française ou non. Les citoyens qui estiment que la République, ce n'est pas que les élus, mais également eux. Les Français qui sont plus jambon beurre et kebab que homard. Les abstentionnistes à retourner aux urnes pour ne plus subir les décisions du monarque de l'Élysée. Aujourd'hui, j'appelle tous les Français à faire de nouveau société, où chacun pourra vivre libre et responsable. Aujourd'hui, j'appelle tous les Français à faire de nouveau société, où chacun pourra vivre libre et responsable. J'appelle à mettre fin à la fracture sanitaire qui oppose artificiellement vaccinés et non vaccinés, pendant que tous les candidats des médias mettent à mort notre République. J'appelle à révoquer le PDG de la Startup Nation qui considère que des Français ne sont rien pour retrouver la France et un président de la République. Je lance cet appel car depuis 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, vous constatez, comme moi, la déliquescence de la classe politique française. Soyons tous présents à ce rendez-vous. Je suis le candidat de toutes les Françaises et de tous les Français. De tous ceux qui rêvent d'un monde où l'on sait vivre ensemble, construire ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble, réaliser notre destin ensemble. Je suis ce candidat. Mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens, nous travaillons pour vous offrir à partir de 2022 une véritable vision de la France, terre de liberté et de solidarité. Je ne saurais finir mes vœux sans avoir une pensée sincère pour tous ceux qui sont isolés, financièrement ou socialement, parfois, souvent les deux. Ceux-là qui doivent pouvoir compter sur l'entraide nationale lorsque les circonstances de la vie les ont éloignés, malgré eux, de la société. Nous leur devons notre chaleur, notre humanité et notre fraternité en cette période. Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour venir en aide aux plus isolés,
car je sais que le cœur des Français est grand et généreux. Nous avons le pouvoir de changer les choses. En attendant de nous retrouver dans les isoloirs, je vous souhaite, mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens, une bonne année 2022. Vive la République, vive la France.